J'ai pas de balles, j'ai pas de flèches. Du coup, les deux armes me servent à que dalle. Mais elle voit pas qu'elle a pas de balles dans... Ah, non, ça. Oui. Ah, c'est vraiment pas le moment. La fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, Rose, ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Rose, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Oh mon Dieu. Récipient. Mais qui les a laissés ici? L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non, n'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien.
Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'ils n'aient rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Ça va, le jeu vous plaît pour l'instant ? Les jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Ah, Père Mathias, qu'est-ce que j'avais dit que c'était certainement un cateau? Merde, merde.